Bonjour, c'est Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le sale de la petite fille. Alors, je vais vous montrer. Oups, ça c'est mon autre toile de tantôt. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Puis, on va faire un petit fil ensemble pour avancer un petit peu. Fait que, ça, c'est nos couleurs. Puis, okay, ici. Fait que j'ai mon petit plan avec mes cases. On ne voit pas grand-chose parce que j'ai le. C'est un papier glacé, puis avec la lumière, on ne voit pas très bien. Mais on est rendu à la quatrième case qui était tirée. Puis, la quatrième case qui était tirée, c'était la 15. Alors, moi, la 15, ça arrive quasiment à peu près dans le milieu de ma toile. Fait que j'ai commencé un petit peu. J'ai vraiment pas beaucoup de faits. Fait que c'est sûr que ça va être une avancée pour cette fois-ci. Parce que, ben, clairement que j'aurai pas terminé avant le tirage de la prochaine case. Fait que ce sale-là, les cases sont tirées à toutes les 25 de chaque mois. À moins d'un pépin. C'est ça. À moins d'un pépin. Mais habituellement, c'est ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait à date sur ma case qui était tirée. Là, j'essaie de ne pas me piquer parce que j'ai des grandes cases quand même. Parce que c'est une toile qu'on a divisée en 18 cases. Fait que, mais c'est des grandes toiles. Fait que ça nous fait quand même des assez grandes cases. Puis, j'ai mis des aiguilles pour m'orienter parce que, c'est ça, j'avais, pas que j'avais de la misère, mais c'est ça, des fois, surtout que là, j'étais en plein milieu d'une toile, fait que c'était compliqué de savoir c'est où il fallait que je commence. Fait que, en fait, je vais vous la montrer comme ça. Fait que ma case, a commencé ici, là. J'ai la petite aiguille, là. Puis, ça va jusque là. Puis, ça va après ça jusqu'ici. Puis là. Fait que là, c'est ça. J'ai des aiguilles, là, à tête. Pour délimiter ma case. Mais on tombe directement dans la petite fille. Fait que, non, en fait, j'ai fait un peu de cheveux. Comme ça, du noir, là. Mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait un peu de cheveux, un peu de visage. Ici, du rouge, c'est du mettre du relief dans les. Du reflet dans les cheveux. Fait qu'on va continuer. En fait, je ne sais pas lequel symbole qu'on va prendre, mais on va broder un fil au moins ensemble. Fait que je vais vous mettre sur pause, puis je vais vous résumer ben, plus près parce que là, on ne verrait pas grand-chose hein, si je brode demain. Fait que ça ne sera pas très bien. Pas très bien long. Bon, alors, je vous retrouve. Je vous ai zoomé un petit peu. Au début, j'avais mis en deux, mais là, en deux, c'était beaucoup trop zoomé, finalement. fait que là, on va trouver un symbole qui nous plaît. Parce que là, cette salle-là, on peut faire en case, comme c'est ça. Ou on peut aussi y aller à notre rythme, puis montrer nos avancées. Fait que là, clairement, ça va être en avancée. Parce que j'ai pas terminé. Puis là, j'ai comme. J'ai, ça me tenterait d'aller dans le visage quand même. Fait que je pense que je vais faire les deux verres. Toutes les deux verres dans le visage. Je sais pas si c'est ce même symbole-là. En tout cas, on va regarder c'est quelle couleur. Fait que les petits deux verres. Puis là, cette toile-là, il y a beaucoup de couleurs. Ah, hein. Oh, c'est la numéro 5. Fait que cette toile-là, elle a 46 couleurs. Puis, les couleurs sont super belles, là. Mais, j'ai de la misère à aller sur cette toile-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que ma toile aérienne. Je comprends pas trop. Là, je me souviens plus c'est quelle couleur. Bon, la 5. Ouais. Fait que j'ai des super belles couleurs.
Mais elle me plaît toujours, là, la toile. C'est juste que je sais pas. À date, là, j'ai été capable de faire une fois la case complète dans les temps. Puis ça demandait quand même beaucoup. Parce que. Ben, c'est ça. C'est des grandes cases, mais il faut faire une fois par mois. Mais quand même, c'est des assez grandes cases. Puis. Je me souviens, j'ai réussi à broder dans les temps, mais je faisais pratiquement juste cette toile-là. Fait que je pense que c'est peut-être ça mon problème qui s'est passé. C'est que j'étais peut-être trop dessus. Puis je me suis comme. Ben, pas écœurée, mais. En tout cas, fait que je la prends quand j'ai envie, là, parce que là, je me mets plus la pression de faut que je finisse avant le prochain tirage, parce que clairement que ben, ça me tente pas de me mettre autant de pression. Puis, là, c'est. J'enroule-tu par en haut ou par en bas? ouais, je vais essayer de rouler par en bas, je pense. Fait que c'est ça. Fait que je prends, de toute façon, moi j'ai pas de planning là pour mes toiles. Je prévois pas, j'ai pas de calendrier pour dire, bon ben, on est mercredi aujourd'hui, on brode cette toile-là. Parce que ben, ça peut arriver que je me lève le matin puis finalement que ça me tente pas. Mais fait que moi, je fais pas. Là, je vais essayer de vous replier parce que si je reste là, vous n'allez rien voir. Ah, c'est compliqué, hein? Faire une case. Puis je sais, là, Gwen, puis Christelle, ils me disent, ouais, mais tu peux avancer à ton rythme. Parce qu'ils pouvaient faire par case, puis essayer de faire la case. Ou on peut, je pourrais aussi recommencer comme normalement au début. Ben, au début, en haut à gauche, à la place que je décolle habituellement. Puis, juste mettre mon avancée. Et moi, je mixe les deux, en fait. Je fais par case, mais en avancée. Mais je sais qu'on peut. Je pourrais redécoller, là, dans mes anciennes cases. Je pourrais. Tu sais, il y a plein de choses que je pourrais faire. En tout cas. Et puis là, j'espère que vous voyez parce que avec la petite amanchure que j'ai, c'est pas l'idéal. Voyons, j'arrive pas à trouver le trou. Cette toile-là, c'est ça. Elle est raide. Elle est très raide. Bon. Puis elle est grande. Fait que c'est ça. C'est un beau mélange de. Mais elle va être super belle, là. Juste à voir, je vais vous montrer après, là. Parce que je vous ai pas montré l'image. Mais je vais vous montrer l'image. Puis, mon Dieu. Je suis pris dans mon fil de micro. Ok, bon. Voyons! Ça va bien mal. J'ai pris dans mon fil de micro, puis là, j'ai perdu mon fil dans mon aiguille. Rien ne va plus. Mais, ouais, je vais vous montrer les avancées que j'ai faites sur mes autres cases. Parce que, ben, elle va être très belle, cette toile-là, mais j'ai de la misère à revenir dessus. C'est ça, le problème. En tout cas. En fait, j'y retourne dessus. Ce que j'ai avancé là, c'est le jour du tirage de la case que j'ai faite, puis j'ai pas retourné dessus depuis le jour du tirage. Fait que c'est ça. Mais c'est pas parce que. Ah, puis là, j'étais bien motivée parce que quand j'ai vu que la case était direct dans le visage de la petite fille, j'ai dit, ah, oh, ben ça va être super, hein, je vais pouvoir faire des cheveux. Mais finalement. Finalement, j'ai pas plus été dessus.
Mais là, vu que je la reprends justement en vidéo, peut-être que ça va me booster à la reprendre. Je sais jamais. Mais clairement que ma course ne va pas terminer pareil. Mais bref, ça va être un avancé pour ce mois-ci. Puis là, à savoir qui de Christelle ou de Gwen qui fait le tirage, je m'en souviens plus. Parce que ça fait quand même un mois que c'était tiré. Puis, elles sont quand même bien que deux à faire les tirages, hein, mais ma petite tête de souris, c'est ça. C'est pas. M'en souviens pas. Je sais pas, il y a une corneille qui crie dehors. Je sais pas si vous l'attendez. Mais. C'est ça. Elle avait besoin de s'exprimer, la corneille. Nous, on est mercredi matin. Puis là, j'ai filmé une autre vidéo tantôt, juste avant, justement, pour le défi 50 cases d'Alex et de Vanessa. Puis là, ben, je voulais tourner cette vidéo-là aussi pour avant que le prochain tirage sorte. Parce que, ben, faut pas que. Ben, pour que mes vidéos suivent quand même. Faut pas que je saute un vidéo. Parce que je sais que cette toile-là, il y en a beaucoup qui l'aiment. Puis, cette collection-là de la petite fille, là, j'ai cette toile-là. Puis, j'en ai un autre aussi. Fait que là, j'en ai juste deux. Parce que là, vu mon blocage, ben, je n'ai pas commandé d'autres. Et les images sont super belles. Mais j'ai peur que si j'achète d'autres toiles de la petite fille, que j'ai le même problème. Fait que, pour l'instant, je n'ai pas commandé d'autres. Mais pourtant, je sais pas pourquoi. D'après moi, c'est ça. Je me suis trop stressée à avancer. La première case qui était tirée, en fait, c'est la première case que j'ai réussi à terminer. Puis probablement que je me suis trop mis de pression suite à ça. Puis ça me. Inconsciemment, peut-être, ça me bloquait. Mais j'ai trouvé. Tu sais, les fils sont autant beaux. C'est juste que. Ben, c'est ça. J'ai pas. Un coup que je suis partie dedans, ça va bien. Mais j'ai pas la grande envie de la prendre puis de l'avancer. J'y ai même songé d'arrêter complètement le sale. Mais je trouvais ça dommage quand même. Ben, je me suis dit non, je l'arrêterai pas. Mais je vais quand même faire des avancées dessus. Puis on sait jamais, peut-être que maintenant, y aller tranquillement comme ça, en m'écoutant, puis à pas me mettre la pression de faut que je fasse, mais peut-être que ça va me ranimer. Fait que là, on est dans du beige très, 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 très clair. Quasiment blanc. Fait qu'on est dans du beige, là, pour le visage de la petite fille. Je pense à la même couleur que celle-là, donc j'ai mis. Et juste que là, j'ai parti par en bas. D'ailleurs, c'est pas bien grave. De toute façon. Hop, j'ai mal à la main. J'ai mal à la main à tenir ma toile. Peut-être que si je la mettrais aussi sur un tambour, ça m'aiderait. Parce que vu que je sais pas c'est quoi le pourquoi du comment que ça me tente pas de la prendre, c'est-tu parce que ma toile est rigide? C'est-tu parce que je me suis mis une pression à terminer mes cases? Je sais pas. Mais là, juste à tenir de même le bout de la toile enroulé. J'ai mal dans le dedans de la main, là. Fait que. C'est sûr que.
C'est pas l'idéal. Bon. Et sinon, cette toile-là est assez blanche. C'est tous les points qui suivent. Je sais pas si sont toutes de même, par exemple, la collection. Mais c'est ça. C'est super agréable à faire. C'est pas. Je pense que c'est plus un blocage mentalement que c'est parce que j'aime pas la toile. Je l'aime la toile, c'est ça le problème. J'aime la toile, mais je veux pas y aller dessus, c'est ça. C'est bizarre. On fait les petits deux verres. En fait, on va faire rien qu'un fil ensemble parce que, ben, de même, je suis pas sûre que je vais tenir extrêmement longtemps. Mais on va faire un fil comme ça. On va faire une petite avancée. Puis je vais vous montrer mes autres cases là, que j'ai avancées. Parce que le rendu, il est super bon. Il est super beau. C'est ça aussi qui est motivant, mais j'ai juste pas la motivation de l'apprendre. En fait, c'est juste sur cette toile-là que ça m'arrive. C'est bizarre. En tout cas. Fait que ça, c'est une toile qu'on avait divisée en 18 carrés. Ben, 18 cases, en fait. Pour faire une case par mois, fait qu'en un an et demi, on est supposé l'avoir fini. Ben, l'autre mois, non, parce que j'ai quand même du retard sur les cases à faire. Mais à moins que je réussisse à reprendre le retard que j'ai. Mais là, j'ai quand même une sacrée retard à reprendre. C'est sur quatre cases tirées, ben j'en ai trois qui sont pas terminées. Fait que c'est pas juste une qui est à moitié, hein. Fait que clairement que j'aurais pas terminé en un an et demi, mais après ça, ben c'est pas grave, je la finirai de mon côté éventuellement. Fait que c'est le sac de la petite fille, c'est organisé par Gwen de la chaîne Minimule Diamond Painting & Co. Puis de Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Christelle, elle a fait du point de croix. Elle fait pas de diamond painting, Christelle. Je sais pas si elle fait d'autres. Mais sur sa chaîne, je pense qu'on voit juste du point de croix. Puis, Gwen, elle a fait. J'ai mal à la main. Gwen a fait du point de croix. Diamond painting. Je sais qu'elle a déjà fait aussi du point noir. Mais là, je sais pas. Je pense qu'on n'en fait pas. En tout cas, je vais vous mettre en barre d'infos comme d'habitude, là, le nom, les liens de leur chaîne. Si vous voulez aller voir. Parce que, ben, ils ont beaucoup de projets en point de croix, notamment. Avec des filles puis des duos. Donc, ils ont des belles toiles en projet. Fait que moi, je commence à travailler tantôt, vers midi, à peu près. Il faut que j'aille faire des commissions avant. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y aller en finissant de travailler. Mais là, je voulais faire mes vidéos. Mais en profiter parce que les enfants sont pas là, sont à l'école. Fait que ça permet de faire des vidéos tranquilles.
Bah, j'ai le chaud là, mais le chaud. Le chaud, c'est ça. Le chaud, elle se réveille. En même temps que les filles. Après ça, un coup que les filles sont parties à l'école, ben elle se recouche. Sa journée est faite. Elle dit, bon, ben, je me suis levée, j'ai mangé, je vais aller me recoucher. Fait que, pas trop tannante, là. Fait que, c'est pour ça que j'en profite pour. Ben, pour filmer. Parce que sinon, ben, avec les enfants d'un parent, c'est pas tout le temps l'idéal. Fait que, c'est ça. Fait que là, le 25, je pense, ça tombe en fin de semaine. C'est ça. Là, on est le 20. On est mercredi. Ah non, c'est lundi, le 25. Bon, ben. Fait que le prochain tirage est lundi. Puis, ben, je voulais faire cette vidéo-là la semaine passée, mais avec les enfants qui étaient. T'es là. Ben, c'était un peu compliqué. Fait que c'est ça. Bon, ben, ça va bien, hein. Je monte tranquillement vers mon autre couleur, qui est probablement la même couleur que celle-là que je suis en train de faire. Je me souviens pas, là. Ça fait quand même un bout que j'ai fait à ces points-là. Mais probablement, c'est la même couleur. Aujourd'hui, c'est le groupe de. C'est le groupe de Facebook, là, les petites brodeuses. Commence un nouveau sale. Le sale renouveau. Le sale printemps. Je pensais pas participer, mais finalement, à la dernière minute en fin de semaine, ben pas à la dernière minute, là, mais en fin de semaine, je me suis laissée tenter. Alors, j'ai trouvé une toile qui correspondait. Ben, en fait, j'avais trouvé deux toiles, mais en fait, la première, j'ai demandé à Gwen. Parce que je me suis dit, je pense pas qu'elle va cadrer dans le sale. Parce que c'était une toile quatre saisons. Qui a les quatre saisons dessus. Puis, mais j'ai demandé. Je me suis dit, je vais demander quand même. Au cas où que. Puis, ben non. Ça n'a pas été accepté. Mais tu sais, je comprends. Tu sais, t'as le printemps, t'as l'été, t'as l'automne, puis t'as l'hiver. C'est la même toile. Fait que, tu sais, je comprends que. C'est ça, c'était pas dans le thème. Mais c'est pas grave, j'avais un choix numéro 2. Mon choix numéro 2, c'était sur un kit de Jason Day. Puis, il n'y a pas de point arrière dessus. Ben, pas que j'aime pas le point arrière, mais ça va faire, ça fait drôle d'avoir un kit de Jason Day. Pas de point arrière. Je peux toujours en mettre, là. Rien n'est impossible, mais c'est ça. D'origine, il n'y a pas de point arrière. Fait que. Je pense que je vais commencer la toile renouveau en revenant de mes commissions. Fait que je vais me dépêcher de faire mes commissions. Puis s'il me reste du temps, ça devrait. Parce que j'ai pas des super grosses commissions à faire tantôt. Ben, je vais commencer cette toile-là. Je sais pas si je vais vous la montrer en vidéo parce que, ben, je sais pas. C'est une. Peut-être. Mais là, peut-être, sûrement pas aujourd'hui. Si je vous la montre, avoir déjà commencé. De toute façon, ben là, elle n'a pas commencé. Mais pour les salles de. Sur le groupe, le défi des brodeuses. Kiki, Gwen, Myriam, Laure et Isa, on peut. Aïe, aïe, je vais expliquer.
On peut toujours prendre. Bon, je suis pognée dans mon aiguille. On peut toujours prendre des toiles qu'on a déjà commencées. Mais moi, il n'y avait pas commencé, là, mais c'est ça. Mais je vais sûrement vous faire une vidéo, justement, pour vous montrer la toile que j'ai choisie. Mais, puis, mec, quand vous allez voir la vidéo, ben, ouais, c'est sûr qu'elle va commencer parce que je la commence tantôt, quoi. Mais, à date, les salles, c'est toutes des toiles qui n'étaient pas commencées que j'ai prises. Que vous dire que mon mari est un peu découragé des toiles en cours que j'ai. Il va en avoir d'autres qui vont commencer, là, parce que c'est ça, moi, tu sais, on sait d'avance les salles à venir. Fait que j'ai quand même, quand j'ai passé des commandes, ben, j'ai passé des commandes en conséquence de. Comme pour la salle femme. Ben, j'ai une toile pour ça. Mais il commence pas tout de suite, la salle femme. Puis, je participe pas à toutes les salles, là. Une chance. Encore une chance. Parce que ça serait terrible. Mais, je serais curieuse de savoir combien que je participe, par exemple. Fait que j'ai trouvé une toile. En fait, j'en aurais eu plusieurs des toiles qui auraient marché pour le sale printemps. Ben, renouveau, en tout cas. Mais j'ai quand même opté pour pas trop un gros kit non plus. Parce que, ben, c'est ça, vu que les toiles en cours se multiplient. Ça fait comme des lapins, ça, hein? C'est ça, ça se multiplie. Ben, je suis allée quand même assez raisonnable, on va dire. Puis, mais je me souviens plus que je vous le dis. Mais ouais. Je suis allée raisonnable. Ça fait que j'ai pris une Joy Sunday quand même. Bon, tu crois. Plier de même, c'est moins bien. Là, j'ai encore mon bleu sur la main. Parce que. Ben, il n'est pas tout à fait guéri encore, mon gros bleu, là. Mon gros bleu que j'ai eu la semaine passée. On dirait que j'étais allée faire des prises de sang, mais. C'est ça. Pas faire des prises de sang. Donc là, hier, ça l'a empiré un peu parce que, ben. J'ai reçu. Je pense que j'ai un autre nouveau bleu sur mon bleu. Fait que. Bon, ça va passer, hein. C'est pas hyper grave non plus. C'est un bleu, mais. Un bleu quand même assez grand, quand même. Là, il est rendu vert. Fait que j'ai l'impression que je suis en train de moisir, mais à toi. Je sens pas le moisi, fait que c'est déjà bon signe. Nous, chez nous, il commence à faire un petit peu plus beau. On a eu de la neige. C'est lundi, je pense. Oh, j'étais bien découragée parce qu'on avait presque plus de neige. Puis, je me suis levée lundi. Ben, c'est ça. Ils nous ont envoyé de la neige. Que j'étais pas très, très contente. Moi qui avais déjà commencé à enlever mes bottes parce que ben là, en fin de semaine, il avait fait chaud. Puis, on n'avait presque plus de neige.
Ben, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps de serrer mes bottes. Les enfants, ils ont encore leurs bottes pour aller à l'école, là. Mais moi, je vais ranger mes bottes. Puis, ben, j'étais en espadrille parce que, ben, tout était sec. Il n'y avait plus d'eau. On était comme au printemps, là. Plus d'eau pantoute, plus de neige. Ça allait bien. Ben, il restait un petit banc de neige en avant de la maison, mais il n'y avait plus de neige chez trottoir, dans les cours non plus. Fait que je me suis dit, bon, ben, on n'aura plus de neige. Mais non, il y en a encore. Fait que vous dire que j'étais un peu tannée. On n'a pas eu gros de neige cette année, quand même. Mais, ben, c'est parce que moi, j'ai hâte à l'été. J'ai hâte d'aller broder et lire des hausses, moi, patio, moi. Me chicaner avec les mouches. Ben, c'est plus me chicaner avec les guêpes puis les thons. C'est ça qui me dérange le plus, en fait. Parce que on va faire le. On fera pas grand-chose. Mais hein. Je sais pas, ça va être bon pour faire un point là. Il est en train de se le faire. Bon, ben. On sera pas bon. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte d'aller broder dehors, là, sur mon patio, avec ma grande chaise au soleil. Avec les petits oiseaux qui mangent leur laine à côté de moi. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Hein? Bon, fait que je vais vous mettre sur pause, puis je vais vous dézoomer pour vous montrer l'étendue des dégâts de ma toile. De ma toile, c'est ça. De cette toile-là-ci. Je vais juste vous montrer le visage qu'on a fait. Fait que là, c'est sûr que là, les points, les deux verres là, ben, je les ai pas faits. Mais on a quand même fait une partie du visage. Fait que, ben, c'est motivant quand même. Ça me donne le goût quand même de ben, continuer avec les petits beiges là, faire ses yeux. Ses yeux, je sais pas c'est quelle couleur que c'est. Regarde-tu en même temps? C'est du 14. Oh, mais c'est des yeux verts. Oh! Bon, ben, en tout cas, on verra si je finis le visage. Puis, ben, je vais vous mettre sur pause, puis je vais vous dézoomer. Bon, alors, je suis de retour. J'ai dézoomé, puis j'ai déplié un peu ma toile pour essayer de vous montrer. Là, j'essaie de rouler mes fils pour pas les mêler. Là, la première toile qui avait été faite, que j'ai complétée, c'était celle-ci. Fait que je vais vous la montrer. Fait que ça, je vais peut-être vous la montrer demain, peut-être. Fait que ça, je l'ai complétée. Fait qu'on voit que les pommes, là, ils ressortent très bien. Ça, c'est du fond. Fait que ça rend beaucoup. Ben, tu sais, c'est. C'est ça. Mais je trouve que c'est super beau. Après ça, on avait. Ben, je sais pas si c'était celle-là, mais j'ai celle-là dans le milieu, là. Que je vais essayer de vous replier. Je vais essayer. J'ai l'impression de faire de l'origami, mais en tout cas. Bon. Fait que j'ai celle-là que j'avais aussi pas mal avancée parce que ben, j'avais l'arbre qui commençait à être défini quand même parce que j'ai quand même fait du noir, du brun. J'avais fait aussi un peu de pommes. Et les pommes, là, sont tellement le fun à faire. C'est ça. Puis avec encore du fond. Parce qu'on est encore dans le ciel. Puis, ben, c'est ça. Après ça, l'autre que j'ai pas terminé, c'est. Là, je vais essayer de pas me piquer parce que je suis à côté de mes aiguilles qui piquent. Aïe, aïe. Ça fait bien pour délimiter, mais c'est attention aux doigts, hein. OK. C'est celle-ci. Fait que j'avais commencé un petit peu. Il y a du orangé, mais je pense. Je sais même pas c'est quoi.
Là, je vous montrerai l'image. Je dois la voir. Oui, c'est là, c'est ici, là. Dans les orangers des arbres feuillus. Fait que c'est sûr que c'est très orangé flash. C'est ça que je comprends pas pourquoi c'est orangé autant flash. Mais peut-être que de loin, ça va être bien. Fait que j'avais juste fait des tons, des petits tons de vert, de jaune. Fait que un petit peu de brun là. J'avais pas fait grand-chose quand même de ce côté-là. Mais tiens, on voit que c'est une toile très très bloc là. Hein? Puis, ben ça. Là, le visage de la petite fille, on verra bien si je continue au moins le visage, là. Je vais voir. À voir dans le diaporama si j'ai... Puis elle a un chapeau aussi. Regardez, elle a un chapeau. Puis le chapeau, je l'ai. Je l'ai au complet dans ma case. Parce que ma case, ben... Oups, elle termine là. Mais gars, le chapeau au complet, là. Ouais, c'est tentant quand même. Hein? Je vais peut-être y reprendre goût, finalement. Avec... peut-être que la petite fille m'aura sauvée. Avec le visage de la petite fille puis le chapeau. C'est ça, ça serait peut-être un objectif. mais il faudrait que, faut que je poste ma photo avant le 23. Fait que... Ou que je décale le sale renouveau de quelques jours. Bon, je verrai. Je verrai qu'est-ce que je fais. Parce que... Sinon, ben, je vais l'avancer plus tard. C'est pas bien grave. Mais ouais, elle est assez bloc, la toile. C'est pour ça que j'avais choisi celle-là. Je me suis dit, tu sais, ça va être quand même des assez grandes cases parce que ça me donne des cases de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 par 4. Fait que c'est quand même. C'est ça. C'est quand même pas des petites cases. Fait que j'ai des 7 par 4 puis des 6 par 4. Tu sais, des 24 cases puis des 28 cases, là, ben, c'est ça. Mais sinon, ben, je fais des avancées avec les cases, puis, ben, j'ai pas fini. Ben, c'est pas grave. Puis, mais là, j'ai comme envie quand même de faire le chapeau. Fait que je vous remercie d'avoir écouté là, ma vidéo jusqu'au bout. Puis, ben, je vais vous mettre en barre d'infos ben, le lien des chaînes des filles. Si jamais vous voulez, si vous avez une toile de la petite fille et ça vous tente de venir nous rejoindre, ben il n'y a pas de problème. Je pense que Gwen et Christelle peuvent rajouter des nouvelles copines en cours de route. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas le lien pour le groupe Facebook pour le défi des brodeuses. Mais si vous allez sur leur chaîne à Gwen ou à Christelle, vous allez le retrouver assez facilement, d'après moi, parce que les autres sont capables de mettre le lien du groupe. Moi, je sais pas, je copie le lien, puis il dirait qu'il se met pas dans mon YouTube, mais trop. Si jamais ça vous intéresse, allez voir leur chaîne, vous allez arriver tout de suite sur le groupe Facebook. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, puis ben, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bonne journée!